Bonjour, mon nom est Josée Lemay. Je suis enseignante en service de la restauration ici à l'École hôtelière de Laval. C'est un programme de 960 heures avec 13 compétences différentes. Ils vont apprendre la mise en place, comment bien dresser une table, monter les couverts, explication de menu, qui est une compétence vraiment importante, bien connaître tous les produits, connaissance des vins aussi, les opérations de caisse, communication avec la cuisine. Une compétence qu'ils adorent, bien, c'est le bar. Alors, c'est toutes des choses qu'ils vont apprendre ici. On a un restaurant d'application où est-ce qu'on a une clientèle et même on est très populaire. Alors, même des fois, pour les gens, c'est difficile d'avoir une réservation ici. Pour les élèves, c'est beaucoup plus près de la réalité parce que ce sont des vrais clients et ils vont apprendre beaucoup par la pratique aussi. Le DEP s'adresse plutôt à des gens qui sont quand même organisés. Faut que tu sois à l'aise de parler aux gens, expliquer. Faut pas que tu sois une personne timide. Faut que tu sois allumé, dynamique, parce que faut pas que tes clients manquent de rien. Je dirais que le savoir-être est la première compétence que moi, en tout cas, je travaille avec les élèves parce que c'est un métier où est-ce qu'on travaille avec le public, alors c'est important de bien se comporter aussi. J'ai fait une formation de serveur d'un soir, ici justement, à l'École hôtelière de Laval. Et j'ai très bien aimé, j'ai dit c'est pour moi ça. On peut travailler dans les hôtels, dans les gros restaurants, dans les petits bistrots, dans les cafés. Comme on mange partout, ben on peut aller travailler partout dans le monde. Moi, entre autres, j'amène des élèves qui se démarquent à faire de la compétition internationale et puis on se classe bien. Souvent, on est dans les 3-4 premiers internationaux. Alors, je pense que c'est très révélateur dans la formation qu'on peut donner.